Mes chers frères, honorables assistants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le même croissant lunaire qui s'était apparu une dernière fois à l'imam Hussein alayhi salam sur la route de Karbala montra sa face avec tristesse le soir du jeudi 21 septembre pour nous rappeler les événements palpitants du mois de Muharram de l'an 61 de l'Égypte, il y a de cela exactement 1378 ans. Comme chaque année, vêtu de noir, symbole de deuil, la tradition nous ramène en ce dixième jour appelé Ashura, à cet endroit célèbre du Barachwa, non loin de l'océan qui déferle ses lames sur les rivages. À l'exemple de cette main qui tape la poitrine, abritant le cœur en peine, sous un soleil qui hésite à montrer sa face en se cachant derrière les nuages gris, avant de disparaître sous l'horizon de couleur rouge-feu. Ya Hussein, et le cri éclatant que pousse jusqu'au ciel les lèvres de tous les partisans de Hussein alayhi salam, le martyr de Karbala, en frappant leur poitrine. Ce n'est pas un mot, un vocable, une expression propre à une communauté, mais un langage de l'ensemble des humains, sans distinction d'origine et de race, ni de nationalité et d'appartenance, ni de couleur et de langue. Ya Hussein est un cri de liberté, car l'homme naît et demeure libre. Si vous ne pouvez pas être de bons croyants, alors au moins soyez les hommes libres, proclamait Hussein alayhi salam. C'est un cri d'égalité. Le prophète Adam est le père de l'humanité tout entière, toute race confondue. C'est un cri de fraternité. Chacun est le frère de l'autre, lié par le sang ou par son appartenance à la nature humaine. Hussein est le fils du commandeur des croyants, Ali, fils d'Abu Talib, que nos salutations soient sur eux. Le cousin et le gendre du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par sa fille Fatima sallallahu wa sallam alayhi. Hussein est donc le petit-fils du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a été envoyé comme miséricorde pour tout l'univers, celui qui, lors de sa victoire sur la Mecque, après 8 ans d'exil, la ville étant à sa merci, oublia tous les souvenirs pénibles qu'il avait vécus dans sa terre natale et qui proclama solennellement, pendant que les larmes perlaient dans ses propres yeux, quand les bécois lui crièrent miséricorde, « Vous êtes libres, que la paix soit sur vous tous. » Hussein, comme son frère Hassan, que nos salutations soient sur eux, qui est élevé dans ce vase de la paix, de la justice et de la morale prophétique, rempli du limon, de toutes les vertus et grandeurs humaines, nourri du lait, de la vérité, de la dignité et de la sainteté de la princesse des dames de l'univers, marchant sur les pas de ses pères et grands-pères, ne pouvait pas rester insensible à la soif qu'éprouvait Roux, le chef de l'armée ennemie, et un millier de ses soldats venus l'arrêter. Il s'avança avec une poignée de ses compagnons pour étancher leur soif.
et celle de leurs chevaux hors de laine avant d'entamer toute conversation. Allah a institué le Hajj pour rassembler tous les peuples de la planète à venir, l'adorer en un seul endroit et en une seule période de l'année. Le Hajj forme une plateforme où se délivre le message divin du salut pour ce monde et aussi pour l'au-delà. Certes, elle est exceptionnelle. La commémoration de Hussein alayhi salam est une autre plateforme qui fait réunir durant 10 jours les musulmans du globe pour adorer Allah et écouter les messages sacrés de son vénérable famille, de son vénérable prophète et de sa famille, de Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle est aussi exceptionnelle car la solennité de Hussein alayhi salam et la teneur islamique de son message sublime ont pour but d'élever l'humanité vers Allah, le créateur de l'univers. On rencontre l'Azadari ou la commémoration du deuil de Hussein alayhi salam partout où l'on va, du petit village au grand centre urbain, de l'Occident à l'Orient, en passant par l'Europe chrétienne jusqu'à l'Afrique traditionnelle, comme l'horloge, elle a lieu à longueur de temps. Pour l'Orzine Karbala, wa kullu yaumin ashura. Toutes les terres sont Karbala et tous les jours sont Ashura. Hussein alayhi salam nous enseigne à triompher sur l'impiété par la foi, à vaincre le mal par le bien, à lutter contre le faux au moyen du vrai, à conquérir l'injustice par la justice, l'immoral par le moral, les agressions et la violence par la douceur et la bonté. Hussein alayhi salam fit jaillir et revivre les précieuses vertus qui façonnent l'homme, qui crée un espace propice à une dynamique, à un mouvement vers l'autre, qui mène à la paix, enseigné par l'islam, la religion de la paix, cependant longtemps enterrée, tels que le respect, la considération, l'empathie, l'amour, la tolérance, l'harmonie, la patience, la discipline, la liberté, la fraternité, la tendresse, mais aussi le partage, la coopération, la charité, la générosité, le bon voisinage et surtout le meilleur vivre ensemble. En effet, il est beaucoup plus difficile d'être injuste, inique et violent envers une personne ou un groupe et d'abuser de ces derniers si nous ressentons leur humanité à partir de notre propre nature humaine. Si nous considérons la terre comme notre patrie et l'humanité notre propre famille. Hussein alayhi salam est une inspiration à la paix. En considérant l'autre comme notre semblable dans son humanité, nous voulons du bien pour lui. Nous désirons qu'il vive en paix avec lui-même et les autres, dans un environnement calme et harmonieux, sans trouble ni violence, où tous ceux qui partagent un même espace de vie, une classe, une résidence, un quartier, une région, un pays, permettent à chacun de vivre et de se sentir en paix et en sécurité. Ce climat de paix est fondé sur la réciprocité des attitudes et comportements bienveillants entre les membres d'une même communauté ou entre différentes communautés de la société. Chacun s'efforce de respecter, d'apprécier, d'incorporer, d'aider, de soigner son prochain et de ne pas nuire, exclure, discriminer
rabaisser et violenter l'autre. Hussein alayhi salam nous conduit à nous détacher du joug inhumain du péché formé par les conflits et carnages, les dissensions et désaccords, l'intolérance et le fanatisme, le manque de patience et de l'honnêteté, l'indiscipline et la désobéissance, la corruption et l'immoralité, la voracité et puissance, le mensonge et impuissance sont les mots que Hussein alayhi salam a prononcés. Hussein alayhi salam nous rappelle d'être humble et serviable pour assister le pauvre, le faible, le malade, l'orphelin, l'exclu, celui qui est mis au placard. Rendez grâce à Dieu et soyez au service de l'humanité. Le voisinage est parenté, disait-il. Quelle est la signification réelle du dévouement spirituel? Hussein alayhi salam cherche à toutes les solutions pour faire taire le canon des ennemis, jusqu'à demander une nuit qui était celle d'hier pour écarter le combat afin de vivre une vie au ciel sans nuage. La raison ne se perfectionne qu'en suivant le vrai, déclarait-il. Hussein alayhi salam m'a montré des merveilleux angles de l'humanité. La morale, tant oubliée de nos jours, la spiritualité qui nous relie à l'être suprême, le social qui permet à l'homme de s'épanouir dans sa véritable grandeur. Il nous a appris comment progresser dans la défaite en se couvrant des habits de la patience, comment tirer du positif sans perdre l'espoir dans les souffrances pour le développement de l'âme. Hussein alayhi salam n'appartient pas à une seule couche sociale. Il n'a pas une seule appartenance et une seule couleur. Il attire les gens de toutes les races. Toutes les directions convergent vers lui. Toutes les couches sociales se regroupent autour de lui. Toutes les langues proclament son nom. Tous les cœurs battent par ce nom. Hussein alayhi salam est à moi, comme il est aussi à vous. Hussein alayhi salam appartient au monde, comme également à tout l'univers. Hussein alayhi salam ne mourra jamais, et son soleil ne se couchera jamais à l'horizon de l'histoire. Il n'y a jamais eu un Hussein avant lui, ni non plus après lui. Je ne prendrai avant de terminer, parmi d'autres, que le témoignage rendu par Mohandas Karamchand Gandhi, appelé Mahatma, la grande âme. J'ai lu avec attention la vie de l'imam Hussein, le grand martyr de l'islam, dit Mahatma, et approfondit les pages relatives à l'événement de Karbala. Il m'est clairement apparu que si l'Inde voulait devenir un pays victorieux, elle devrait prendre comme modèle l'imam Hussein alayhi salam salawat. Ce que j'ai appris de Hussein, disait Gandhi dans son temps, c'est comment parvenir à la victoire bien qu'étant opprimé. Salawat wa rahmatullahi wa barakatuh.